Bienvenue sur la chaîne de Ciel Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les deux mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne, ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Merci Émilie pour cette aimable introduction. Je viens de faire le tour de Mars, en fait, assistance gravitationnelle autour de Mars pour venir vers ce podium. Merci Émilie pour l'introduction et merci pour l'invitation ici à Explore Espace pour parler espace. Alors, j'ai déjà parlé hier, une présentation peut-être un peu plus détaillée et technique sur... espace et astronomie pour parler des avantages d'aller dans l'espace pour faire de l'astronomie, pour des observations astronomiques, que ce soit des images ou des spectres ou autres. Il y a une très belle présentation, enfin un film, qui a duré environ 90 minutes, ça a commencé à 12h30. Alors certains d'entre vous étaient présents pour ce magnifique film et très détaillé sur Hubble. Alors hier, j'ai parlé un petit peu de Hubble, parce que quand on parle de l'apport de l'espace à l'astronomie, on ne peut pas éviter Hubble, bien entendu. J'en parlerai un petit peu maintenant de nouveau, mais évidemment ceux et celles qui étaient présents aussi bien à ma conférencière ou au film qui a passé début l'après-midi, ou à l'un ou l'autre, vous avez déjà entendu parler d'Hubble, donc je serai relativement discret sur Hubble, mais j'en parlerai quand même. Mais mon idée est de traiter du terme « quelques pas dans l'espace ». Quand je dis « quelques pas », ce ne sont pas tellement mes pas lors d'une sortie extravéhiculaire. En anglais, sortie extravéhiculaire, c'est spacewalk, donc c'est une promenade dans l'espace. En allemand, c'est Weltraumspaziergang, qui est la même chose, c'est une promenade dans l'espace, donc il y a des pas. Et le 23 décembre 1999, j'ai fait une sortie extravéhiculaire d'un peu plus de 8 heures pour des travaux de réparation sur Hubble avec mon collègue Mike Ford, un Américain. Et cette photo a été prise à cette occasion. Alors j'en parlerai un petit peu de ces pas, mais mon idée, c'est plutôt de parler des pas de l'humanité dans l'espace. Je parlerai des programmes passés, tout d'abord du rêve de l'humanité d'aller dans l'espace depuis des siècles. Un petit peu du programme Apollo, du programme de la navette, Station Spatiale Internationale, et puis les programmes actuels avec la montée des privés aux États-Unis qui font un travail magnifique, tout spécialement SpaceX. Donc voilà, il faut bien comprendre ces quelques pas dans l'espace, et pas tellement mes pas finalement relativement modestes lors de cette sortie extravéhiculaire qui était importante pour Hubble parce qu'on a remplacé l'ordinateur de bord du télescope et une caméra de pointage lors d'une sortie précédente faite par deux de mes collègues. On a remplacé tous les gyroscopes qui sont essentiels pour permettre le pointage précis du télescope vers des objets célestes. Voilà, que vous compreniez le terme « quelques pas dans l'espace », les pas essentiellement de l'humanité. Alors juste une brève présentation de ce que je vais exposer aujourd'hui. L'espace, une source d'inspiration depuis toujours. Mon expérience personnelle, le ciel et la Terre, des vues des deux, depuis l'orbite terrestre basse, le ciel et la Terre. On montre beaucoup d'images de la Terre, mais je montrerai également ce que c'est qu'une nuit orbitale, le passage d'environ une demi-heure dans le cône d'ombre de la Terre avec un ciel qui est absolument stupéfiant par sa beauté. Je parlerai un peu de la Station Spatiale Internationale que je n'ai pas visitée. Par contre, Thomas Pesquet, comme vous savez, était deux fois dans la station spatiale. Il a fait beaucoup de sorties extravéhiculaires. Il était extrêmement actif dans la station comme un astronaute brillant de l'Agence spatiale européenne et de nationalité française, qui est un ami cher et que je respecte beaucoup. Je parlais des nouveaux projets, tout spécialement les projets à destination Lune, le programme Artemis. Et puis finalement, je terminerai sur cette idée qu'on n'a pas tellement de limites pour les vols spatiaux habités dans le système solaire du point de vue purement technique. On pourra aller assurément dans les confins du système solaire techniquement si on choisit de le faire.
Alors, pour cette passion de l'humanité pour l'espace et ce désir très profond d'aller dans l'espace, alors il y a quelques éléments de littérature de ces derniers siècles, mais un livre magnifique de La Terre à la Lune, Jules Verne, 1865. Et c'était une époque où le concept de fusée n'était pas encore absolument clair. Bon, il y avait des feux d'artifice, c'est surtout les Chinois qui ont développé cette technologie. Donc on savait que si on projetait à grande vitesse des gaz à partir d'un objet libre, eh bien cet objet libre allait être propulsé dans l'autre direction. Mais on n'avait pas encore cette idée qu'on allait pouvoir explorer l'espace en utilisant ce principe. Alors dans le livre de Jules Verne, c'est plutôt un gros canon qui était en Floride d'ailleurs et qui a projeté en direction de la Lune ce boulet de canon, si on peut dire, avec des sous-boulets de canon. Un livre absolument magnifique. Il y a des illustrations qui sont absolument fantastiques. Regardez, ça c'est dans ce boulet de canon, vous voyez les astronautes, les membres d'équipage, et puis il y a quelques animaux également, des volailles, un chien. Et puis c'était un voyage simple course en fait, parce que comme vous voyez, le boulet de canon, quand il arrive sur la Lune, il n'a pas tellement de possibilités de retour. Et puis sur la Lune, en fait, on peut vivre. Hein, vous voyez des gens qui sont en habits absolument normaux, qui fument des cigares. Donc c'était ce rêve d'aller sur la Lune comme un endroit non seulement parfaitement habitable, mais certainement très agréable à vivre. Un livre absolument magnifique. Un livre qui m'a beaucoup inspiré, bon, c'est la bande dessinée, mais avec toute la noblesse de la bande dessinée, selon mon humble avis en tout cas, On a marché sur la Lune. Un livre magnifique. Hergé, comme vous voyez, a magnifiquement représenté le paysage lunaire lorsqu'on compare son illustration de l'endroit où s'est posée cette fusée, partie de Cile David et quelque part en Europe de l'Est, à destination de la Lune. Et quand vous comparez avec une photo de la Lune à gauche, vous voyez à quel point Hergé a bien représenté le paysage lunaire avec des régions plates, les mers, des montagnes et des cratères. Et puis c'est impressionnant de penser qu'il s'agissait ici d'une fusée réutilisable. Alors on glorifie SpaceX et Elon Musk parce qu'il a la première fusée partiellement réutilisable pour Falcon 9. Et son prochain projet, c'est Starship, qui sera entièrement réutilisable. Mais en fait, la fusée de Tintin, Milou, Capitaine Haddock, Tournesol, les frères Dupont, elle était parfaitement réutilisable. Vous vous rappelez, c'était le départ de Cile David, et puis il y avait une accélération constante de façon à éviter la situation d'apesanteur, sauf quand les frères Dupont, avec leur canne, ont coupé le moteur atomique qui a causé l'apesanteur, ce qui fait que le whisky du capitaine Haddock est sorti du verre et s'est mis en boule. Vous vous rappelez, c'est une aventure magnifique. Moi, j'ai adoré et j'adore toujours. Et puis finalement, c'était une grande source d'inspiration. Pour moi, j'avais 10 ans quand ce livre était publié. Et c'était comme jeune garçon, c'était une très forte inspiration. Alors, un autre élément d'inspiration pour le spatial, c'est évidemment le programme Apollo. Bon, il y a eu Gagarine avant, en avril 61, dans ce climat de guerre froide entre Union soviétique et États-Unis. Puis la réponse américaine, c'est le programme Apollo, lancé par le président Kennedy, qui a eu un courage politique extraordinaire. Et sa décision a été prise vis-à-vis du Congrès relativement peu de temps après le vol de Gagarine. C'était 2 semaines après, c'était à la fin dans le courant de mai 1961. Why go to the moon? Not because it is easy, but because it is hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Des mots absolument magnifiques. Et il n'a pas tweeté, il a simplement prononcé ces mots extrêmement forts. Qui a lancé le programme Apollo. Et ça, c'est le lancement d'Apollo 11. J'aime beaucoup cette image, parce que c'est tellement typique des années 60. Il y a la fierté des Américains, ils avaient de bonnes raisons d'être fiers. Et c'est cette énorme fusée Saturn V, avec au sommet la petite capsule, le command module d'Apollo, avec Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins, destination de la Lune. Quelle émotion! Et quel magnifique programme les Américains nous ont offert dans les années 60, début des années 70. Sous la surface de la Lune, 4 jours plus tard, vous avez une photo de Buzz Aldrin, le deuxième qui a marché sur la Lune, photo prise par Neil Armstrong. Le module lunaire Eagle, l'aigle, qui s'était posé sur la mer de la tranquillité en manuel avec très peu de carburant qui restait, comme l'a expliqué Jerry Griffin hier, pour ceux qui étaient présents à sa conférence.
Puis vous avez ici, alors les Suisses sont assez fiers parce qu'il y avait une expérience de l'Université de Berne, le Solar Wind Collection Experiment pour collecter des particules du vent solaire qui a été posée sur la Lune, en fait même avant le drapeau américain, parce qu'il s'agissait d'utiliser au mieux le temps disponible. Cette première sortie pour Apollo 11 était de quelques heures seulement. Pour les dernières missions Apollo, c'était des sorties beaucoup plus longues, et puis ils en ont fait plusieurs à la suite. Alors voilà, c'est cette extraordinaire aventure de ce premier alunissage. C'était la nuit du 20 au 21 juillet 69. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur une des quatre jambes du module lunaire Eagle, vous avez cette plaque. On peut lire « Here men from planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 ». Ça, c'est pour s'assurer que si un extraterrestre voit ce véhicule, il saura tout de suite que cet engin est venu de la Terre, qui s'est posé en juillet 1969. Mais ce qui est touchant, c'est ce qu'il y a juste en dessous. « We came in peace for all mankind ». On est venu dans un esprit pacifique en représentant toute l'humanité. Et ça, c'est très beau. Et ce n'est pas seulement Apollo 11, mais c'était tout le programme Apollo. Et c'est finalement tous les programmes de vols spatiaux habités. On y va toujours, non pas pour se représenter soi-même comme astronaute ou pour représenter son agence ou son pays. On y va comme citoyen de la planète Terre qui va dans l'espace et qui représente toute l'humanité. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort et il faut s'en rappeler. Nous, en tout cas, en tant qu'astronaute, on s'en rappelait bien. C'est la raison pour laquelle tous les produits des missions spatiales, que ce soit les images prises par Hubble, par le télescope Webb, ou des photos de la Terre ou du ciel prises par les astronautes, appartiennent à l'humanité. Il n'y a pas de copyright. Et ça, je pense que c'est une attitude extrêmement noble des agences spatiales, que ce soit la NASA, l'ESA ou les autres, c'est le Roscosmos, je ne sais pas, ou la Chine, mais en tout cas, Agence spatiale européenne et la NASA remettent tous les produits des missions spatiales à disposition de toute la population de la planète Terre. Alors à cette époque, l'époque du programme Apollo, j'étais, après des études de physique à Lausanne et d'astrophysique à Genève, j'étais astrophysicien rattaché à l'Observatoire de Genève, beaucoup de sessions d'observation ou de mesures sur les étoiles, l'observatoire du Gornograd, dans ce magnifique paysage alpin près de Zermatt. Cette photo a été prise lors d'une nuit de pleine lune, et vraiment un paysage magnifique. On avait un relativement petit télescope, 40 cm de diamètre pour le mur principal, mais un photomètre assez puissant et puis extrêmement précis. On faisait des mesures très précises de la distribution de la lumière dans le spectre des étoiles pour déterminer leurs caractéristiques, que ce soit la dimension, la température et en gros la composition chimique aussi, pour une étude de l'évolution stellaire en général. Donc c'est une discipline de l'astrophysique très classique à l'époque. C'est clair que jusque vers le milieu des années 70, il n'y avait pas de possibilité pour des Européens ou des Européennes de devenir astronautes. C'est devenu possible parce que dans le programme américain qui a suivi le programme Apollo, à savoir la navette spatiale, les Américains ont invité les Européens et les Canadiens à participer. Alors participer sous la forme de fabrication d'équipements, et l'Europe a choisi la science, à savoir le Space Lab, le laboratoire Space Lab, qui allait être placé dans la soute de la navette spatiale pour utiliser la navette comme une espèce de petite station spatiale, station scientifique spatiale pour des missions allant jusqu'à 15 jours. Les Canadiens ont développé et produit et livré à la NASA le bras robotique de la navette. Mais non seulement ces deux agences ou respectivement pays invités, Agence spatiale européenne et Canada, étaient invités à participer techniquement, mais également à sélectionner des astronautes en fonction des critères de la NASA, et ont été sélectionnés après environ une année de sélection entre mi-77 et mi-78. Les trois premiers astronautes européens, Ulf Merbold, allemand, Vubbo Ockels, néerlandais et moi-même. Alors voilà, c'était une opportunité pour les Européens. Bon, Jean-Loup Chrétien, entre-temps, avait déjà volé, parce que la France s'était arrangée avec l'Union soviétique pour faire voler Jean-Loup Chrétien, avant, en fait, le vol du premier astronaute de l'Agence spatiale européenne, avec tout le respect pour la France et pour Jean-Loup Chrétien, qui est un astronaute de très haute qualification et de talent, et un ami très cher aussi. Alors, on était envoyé à Houston. Il ne s'agissait pas tellement de s'entraîner en Europe, mais au Johnson Space Center Houston, qui était le centre d'entraînement
pour la navette spatiale. Beaucoup, beaucoup d'entraînement dans le simulateur de la navette spatiale, dans le cockpit, qui est finalement un petit peu comme le cockpit d'un avion de ligne, avec le siège du commandant à gauche, le siège du copilote à droite. Il y avait encore un ingénieur de bord entre le commandant et le copilote. On n'en a plus maintenant dans les avions de ligne parce qu'on a simplifié la gestion des systèmes de bord pour que l'équipe commandant et copilote puissent s'en occuper. Mais à l'époque, des anciens avions de ligne, on avait encore un ingénieur de bord. Et puis dans la navette, on avait également. Alors, l'entraînement a commencé. J'ai fait mon premier vol spatial 12 ans après mon arrivée à Houston, à savoir en 1992, alors qu'on était envoyé les astronautes européens à Houston en 1980. Entre-temps, mon collègue Ulf Merbold avait volé Ockels également. Il se révèle que des trois astronautes européens, j'étais celui qui avait été choisi pour faire un entraînement complet sur la navette. Mes deux collègues, Merbold et Ockels, ont été entraînés plutôt sur les expériences scientifiques. Ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des payload specialists. Ils n'avaient pas de responsabilité navette, mais ils avaient des responsabilités sur des expériences scientifiques. Moi, j'étais le premier Européen à être entraîné entièrement sur la navette spatiale. Alors, j'ai passé finalement 25 ans à Houston de 1980 à 2005. 4 vols dans l'espace. Chacun de ces vols avait une durée de l'ordre de 10 à 11 jours. J'ai passé en tout 43 jours dans l'espace, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis il y avait un entraînement d'une année à une année et demie avant chacune de ces missions. Donc ça part à longtemps d'entraînement pour une semaine dans l'espace ou 10 jours, mais c'était nécessaire. C'était une mission extrêmement condensée, chargée de travail, puis il y avait beaucoup de choses à faire. Il n'y avait pas de jour de congé, enfin c'était bang 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 tous les jours depuis l'arrivée en orbite jusqu'à la désorbitation et l'atterrissage sur une piste d'atterrissage en Floride. Alors c'est clair qu'il y avait beaucoup de temps entre ces périodes dans l'espace et des périodes d'entraînement pour ces missions, spécifiquement pour ces missions. Alors, la NASA nous donnait un job entre des périodes qui étaient occupées pour préparer une mission. On avait des charges de travail avec des équipes d'ingénieurs pour participer soit au soutien des missions de nos collègues, comme Capcom, par exemple, communicateur depuis la salle de contrôle, ou sur différents aspects techniques. Et pendant plusieurs années, j'étais un des astronautes qui a travaillé à SAIL. SAIL, ce n'est pas la navigation à voile, c'est Shuttle Avionics Integration Laboratory. C'est un laboratoire de vérification des programmes d'ordinateur, du software, des logiciels qui allaient être emportés à bord de la navette pour gérer toutes les phases de la mission, la montée en orbite, la phase orbitale, la phase de désorbitation, approche et atterrissage. Donc, c'est un travail que j'ai fait avec beaucoup de bonheur et j'ai énormément appris sur le flight software de la navette en faisant ce travail, ce job assignment, qui comptait pas comme entraînement formel, mais c'est un moyen d'apprendre. D'une part, et puis d'autre part, c'est un moyen pour les astronautes de faire partie de tout le système de soutien du programme de la navette et de développement de la navette, et pas seulement de servir comme astronaute. Donc c'est un concept que personnellement j'ai beaucoup aimé. Alors en plus, on avait un immense privilège, c'est d'avoir ces avions à disposition. La NASA a toujours encore 30 T-38. C'est un avion qui, à l'origine, avait été un avion militaire, un avion d'entraînement, un avion à réaction d'entraînement, biplace et biréacteur, utilisé par US Air Force. Et la NASA en avait 30, peints à des couleurs civiles, en blanc et en bleu, magnifiques couleurs d'ailleurs, qui étaient utilisés pour le maintien de la qualification de pilote de tous les astronautes, que ce soit un astronaute qui d'origine était un scientifique ou un médecin. C'est aussi une manière d'entrer dans le corps des astronautes, formation de médecin initialement, ou de pilote. Eh bien, tous devaient s'entraîner sur le T-38, maintenir une qualification de pilote sur cet avion. Et en plus, c'était un moyen de transport. Quand on devait aller de Houston à Denver ou à Los Angeles ou à Orlando, on n'allait pas avec Delta Airlines, on prenait un T-38. Ce qui paraît être un privilège déraisonnable, mais en fait ça ne l'était pas, parce que c'était de l'entraînement en même temps que ça nous fournissait un moyen de déplacement qui était rapide et flexible. J'ai adoré. Je suis rentré en Europe depuis 2007 et j'ai plus ce privilège maintenant. Je dois voler avec Air France, KLM, Lufthansa, Swiss, mais à l'époque on faisait tout en T-38. Quel bonheur, vraiment. C'était un privilège extraordinaire, mais encore une fois, ce n'était pas considéré comme privilège, mais comme moyen d'entraînement.
Alors, navette spatiale, donc c'est le programme de vol spatio habité qui a suivi le programme Apollo, qui s'est terminé en décembre 72 avec Apollo 17, navette spatiale. L'idée était d'exploiter toutes les propriétés de l'orbite terrestre basse pour les travaux de recherche et de développement. Alors, on avait un avion spatial fixé sous ce grand réservoir brun qui contenait 700 tonnes d'oxygène et d'hydrogène liquide pour la montée en orbite. La poussée de ces moteurs à hydrogène, que vous voyez là, n'était pas suffisante pour l'ascension à la verticale. Il faut une poussée supérieure au poids. Le poids était à peu près 2000 tonnes, dont le 80% était du poids de carburant d'ailleurs. Il fallait des fusées à combustible solide autour du réservoir extérieur qui fournissaient une poussée supplémentaire, étaient larguées après 2 minutes, tombaient dans l'océan Atlantique, était récupéré par des bateaux utilisés pour des missions ultérieures. Donc voilà la navette spatiale exploitée pendant 30 ans, de 81 pour le premier vol jusqu'en 2011, le dernier qui était la dernière mission d'assemblage de la Station spatiale internationale. Un programme dont le succès a été, je dirais, mitigé, parce qu'on a eu 135 missions, mais on a eu 2 accidents majeurs, Challenger en 86, Columbia en 2003, avec chaque fois 7 membres d'équipage qui ne sont pas revenus. La navette était fragile, une grande surface de protection thermique complètement exposée, qui rendait la navette fragilisée. C'est d'ailleurs ce qui a causé l'accident de Columbia en 2003. Malgré tout, c'est un programme qui a permis, d'une part, le télescope Hubble, pour ceux qui ont vu ce film qui était projeté précédemment, c'était clairement exprimé. C'était un grand télescope qui ne pouvait trouver place pour un engin spatial que dans la soute de la navette spatiale, puis a permis le programme de la Station spatiale internationale, dont presque tous les aimants ont été amenés de la Terre vers l'orbite à 400 km d'altitude avec la navette spatiale, sauf les éléments russes amenés par des fusées Proton. Voilà, navette spatiale. Alors, je vais juste vous montrer, ceux qui étaient au film avant, vous avez déjà vu quelques lancements, mais pour ceux qui n'y étaient pas, je vais montrer une brève vidéo du lancement de la navette spatiale, allumage des moteurs à hydrogène, 6 secondes avant le départ, et puis au temps T0, bang! C'est les 2 boosters qui sont allumés et qui permettent le décollage à la verticale avec une poussée supérieure au poids, ce qui permet le décollage. Avec relativement peu de G, on avait seulement de l'ordre de 1,5 G au départ, parce qu'on était tellement, tellement lourd, tellement massif. Prêt, attachez vos ceintures, on va y aller. 0 days to launch, ça va être aujourd'hui. Et il devrait y avoir du son. T-minus 90 seconds and counting. Alors, 7 membres d'équipage sont dans la cabine, les pieds en l'air. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for all the sequence start. STO, hear you loud and clear, 5 bytes. Tell me. Have you loud and clear as well? Thanks, sir. Okay, let's go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8. C'est les moteurs verts qui sont allumés. Ils produisent de l'eau et de la poussière. Start, 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Roger, Roger, Roger. Bon, pour gagner du temps, je ne vais pas aller jusqu'à la séparation des boosters, mais c'est 2 minutes après le départ, ils tombent dans l'océan Atlantique et sont récupérés. Une chose que je voulais remarquer, c'est que, encore une fois, on a marché sur la Lune, c'est splendide aussi techniquement. Il y a un aspect où Hergé s'est un petit peu trompé, c'est l'accélération au départ. Parce qu'encore une fois, on est tellement lourd
On avait 2000 tonnes de poids, 3000 tonnes de poussée, ça fait 1,5. ce qui signifiait qu'on avait 1,5 G seulement. Puis en fait, l'accélération vers le haut, c'était 0,5 G seulement, donc ce n'était pas beaucoup. On a marché sur la Lune dans les membres d'équipage qui sont couchés sur des couchettes et puis qui perdent connaissance pratiquement à cause de la forte accélération. On n'a pas une forte accélération au départ. Ce qui est intéressant pour la navette, la montée en orbite durait 8 minutes et demie, 1,5 G au départ, avec ce rapport poussée-poids. Et puis c'est clair, on sort de l'atmosphère et on accélère jusqu'à la vitesse orbitale, circulaire, en orbite basse, qui est l'ordre de 28 000 km à l'heure. Et puis le plus grand nombre de G, on avait à la fin de la montée, c'était l'ordre de 3 G, ce qui était tout à fait supportable. Et à ce moment-là, on avait, parce que là on était dans une direction de vol perpendiculaire au vecteur G, donc on avait un rapport poussée-poids qui était de 3. Ce qui est évidemment inimaginable, même des avions en réaction militaire les plus performants, même le Rafale, il faut dire, n'ont pas un rapport poussé-poids de 3. Donc c'était impressionnant d'avoir ces moteurs qui poussaient depuis derrière et qui nous donnaient une accélération telle que la vitesse augmentait de l'ordre de 30 mètres par seconde chaque seconde. Ça fait 10 mètres par seconde au carré pour 1G, 3G, 30 mètres par seconde chaque seconde. Donc c'est vraiment une expérience tout à fait unique. Alors voilà la navette en orbite. Une fois qu'on est en orbite, c'est clair, le centre de masse de la navette se déplace sur une trajectoire keplérienne, circulaire ou elliptique, généralement très légèrement elliptique en tout cas. Et puis on peut prendre n'importe quelle orientation autour du centre de masse avec des petits moteurs dans le nez du fuselage et puis la partie arrière de la navette en fonction de ce qu'on voulait faire. Et bien on prenait une certaine orientation. Et là, c'est une belle photo qui a été prise. Lors d'une mission, c'était en 84 ou en 85, un satellite avait été déployé de la soute de la navette. La navette s'en est éloignée de ce satellite. Il y avait une caméra à bord, une caméra avec film. Il n'y avait pas de caméra digitale à l'époque. Et c'est les astronautes qui ont commandé la caméra. Ils ont pris un selfie, si on peut dire. Ils sont là, dans la cabine. Ils voient le satellite et commandent cette prise de vue. Et le satellite était juste derrière la navette, donc c'est comme si la navette était un avion qui volait à 90 degrés donc d'attaque. Ce qui, encore une fois, n'a pas d'importance. On peut avoir n'importe quelle orientation par rapport au centre de masse et par rapport à la direction du vecteur vitesse. Une belle photo. Alors, juste pour ceux qui s'intéressent aux aspects aéronautiques ou aéronautiques spatiaux, et puis aux interfaces homme-machine, si on peut dire, ça c'est le cockpit de la navette spatiale. Alors, comme vous voyez, c'est compliqué. C'est typiquement un cockpit conçu dans les années 70, puisque le premier vol était en 81. Tout plein d'interrupteurs partout. Bon, là, il y avait une modification qui avait été importée en l'an 2000 pour les quatre navettes. Ils ont mis un glass cockpit devant, donc avec des écrans cathodiques. Mais au début, c'était toute l'électromécanique, comme dans les premiers Boeing 747, par exemple, où il y avait l'ingénieur de bord derrière et beaucoup d'interrupteurs. Alors ça, c'est le front cockpit. Et puis si on fait une rotation de 180 degrés vers l'arrière, on a le aft cockpit qui est là. Tout plein d'interrupteurs aussi. C'était une presque obsession dans le design des cockpits. Ça devait des interrupteurs partout. Là, c'est clair, du point de vue interface homme-machine, ce n'était pas très convivial, si on peut dire. Il fallait apprendre ce qu'il y avait derrière chacun de ces interrupteurs. Certains étaient vraiment importants, d'autres étaient moins, mais ils avaient exactement la même forme, en fait. Donc, il fallait vraiment une formation longue qui était de l'ordre de 3 ans avant qu'on puisse être assigned ou désigné pour une mission donnée. Et puis, une fois que cette désignation était faite avec 6 autres membres d'équipage, il y avait de l'ordre d'une année d'entraînement spécifique pour la mission. Alors, pendant la phase orbitale, on occupait essentiellement la partie arrière du cockpit. Typiquement, si on faisait un rendez-vous avec Hubble, avec capture de Hubble avec le bras robotique, le commandant était là, commandait les rotations de la navette avec le Rotational Hand Controller, les translations avec ce petit levier. L'opérateur du bras était là, il commandait le bras robotique en rotation avec le même petit manche que le commandant, mais pour le bras robotique et les translations ici. Ça, c'est la commande, le tableau de commande du bras robotique avec tous les modes opératoires du bras robotique. Alors voilà l'environnement dans lequel on était pendant typiquement de l'ordre de 10 à 15 jours, 7 membres d'équipage. Alors mon premier vol a eu lieu en 1992, mon baptême de l'espace. Comme vous voyez, 7 membres d'équipage, le commandant Lawrence Shriver, Marsha Ivins, c'était une astronaute américaine avec des cheveux longs. Et vous voyez comment les cheveux longs se comportent en état d'absenteur, ce qui n'est pas surprenant évidemment, mais que personnellement je n'ai jamais vécu. Une belle équipe. On avait
un double objectif de déployer une plateforme scientifique de l'ESA qui s'appelait Eureka, European Retrieval Carrier, puis on devait tester un satellite captif, satellite au bout d'un câble, pour évaluer la possibilité de générer de l'énergie électrique dans l'espace sans utiliser des panneaux solaires, mais utiliser le phénomène d'induction. Si vous déplacez un conducteur électrique rapidement dans un champ magnétique, puis là on avait le champ géomagnétique, vous créez une tension électrique, et si vous pouvez boucler le circuit, vous pourrez avoir un courant en plus, donc vous aurez de l'énergie électrique ou de la puissance électrique générée. Ça n'a pas très bien marché, à vrai dire, mais c'était un test. Avant le départ, on avait pris cette photo pour exprimer notre souci vis-à-vis du comportement pas forcément bien contrôlé d'un câble détendu dans l'espace. Donc un câble est tendu, que ce soit ici sur Terre ou dans l'espace, eh bien, la forme est absolument claire. C'est soit une ligne droite ou bien très légèrement incurvée. Mais quand le câble est complètement détendu, il peut prendre n'importe quelle géométrie. Et on a pris cette photo inofficielle de l'équipage pour exprimer notre souci vis-à-vis de la possibilité d'un câble détendu dans l'espace. Ce qui s'est produit d'ailleurs pendant cette première mission, ce n'était pas un câble complètement détendu, mais en tout cas partiellement détendu avec des loops et tout ça, donc il a fallu gérer ça, et c'était un souci qui était parfaitement justifié. Voilà une photo prise pendant cette mission, vous voyez tous ces interrupteurs au plafond. C'est clair, c'est l'apesanteur dans la cabine, donc on peut avoir les pieds au plafond, il y a les pieds sur la paroi latérale. Et on pourrait se dire que c'est un petit peu dangereux parce qu'on risque de changer la position des interrupteurs au plafond avec les pieds, mais vous voyez que chaque interrupteur est entouré de deux boucles de métal qui permettent de protéger ces interrupteurs et d'éviter des changements de position sans le vouloir. Là, vous avez d'ailleurs le cockpit de la première version de la navette avant ces modifications dont j'ai parlé, de glass cockpit. Alors, ça, c'était une autre mission, mais pour vous montrer comment on se nourrissait, on se nourrissait avec de la nourriture qui était essentiellement portée sous forme déshydratée. Là, on a des œufs brouillés. Et il s'agissait de mettre de l'eau dans ce sachet en plastique avec une poudre jaune au fond qui était les œufs brouillés qui avaient été desséchés. Puis ça, il fallait utiliser les doigts pour s'assurer que l'eau pénètre dans cette poudre jaune, et puis on ouvrait une pellicule de plastique et on mangeait avec la fourchette. Donc, c'était des repas qui étaient tout à fait convenables. Je rappelle qu'il y avait du brocoli au gratin, il y avait du bœuf bourguignon, il y avait chicken teriyaki par exemple, donc des repas tout à fait normaux. Bon, c'était pas ce que Thomas Pesquet emportait venant de Ducasse, c'était plus simple. C'était fabriqué dans une cuisine à Johnson Space Center, mais c'était tout à fait convenable. Une autre chose que j'aimerais relever ici, c'est toutes ces petites régions de bleu clair, c'est du velcro. Dans l'espace, une table ne sert à rien du tout parce qu'il n'y a pas de gravité. Donc on remplace l'absence de table par du velcro. Si on a préparé ces œufs brouillés puis qu'on veut les placer à quelque part avant de les consommer, eh bien on utilise des pastilles de velcro qui sont sur la paroi de la navette de façon à ce que le repas préparé reste à cet endroit et ne flotte pas n'importe où dans la cabine. Petit détail. Alors, bon, commençons au-dessus, je vais emporter du chocolat à bord, ce que j'ai toujours fait. On avait un confiseur à Winterthur, près de Zurich, qui fabriquait des chocolats spéciaux. Puis là, on voit, c'est une autre mission, c'est ma troisième mission, mais vous voyez un chocolat en forme de navette spatiale. Puis la navette avait des composantes blanches et des composantes noires, et ça va très bien au sombre, parce qu'il y a du chocolat noir et du chocolat blanc. Vous voyez que l'aile gauche a déjà été consommée et que bientôt le nez du fuselage va être consommé par cette autre pomme d'équipage. Alors, encore une fois, je n'ai jamais pris des mets extrêmement sophistiqués, comme l'a fait Thomas Pesquet, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais moi, j'emportais toujours du chocolat, puis un peu de chocolat, de fromage gruyère également, dans un sachet en plastique. Mais encore une fois, c'était des missions courtes, des mets spécialement préparés, comme l'a fait Thomas Pesquet. Je le comprends pour des missions longues, pour des missions de 10 jours. On peut manger à peu près n'importe quoi, ça passe. Et puis, c'était pas n'importe quoi, c'était des repas qui étaient tout à fait savoureux, de mon point de vue. Alors, les toilettes. Je vais expliquer brièvement, parce que sinon la question va venir après, je sais. Voilà les toilettes de la navette spatiale. Alors, les toilettes, ça ressemble beaucoup à des toilettes terrestres, à ceci près que vous avez ces tiges de part et d'autre de la cuvette des toilettes qu'il fallait tirer vers le haut, c'était spring-loaded, ramené par un ressort. Il fallait tourner de 90 degrés de façon à s'attacher sur la cuvette des toilettes. Et puis il fallait gérer également des valves. Il y avait une valve ici, puis une valve en bas. Là, vous avez le container qui recevait ce qui est produit.
Et puis, il y avait une valve en haut, puis une valve en bas. Et la valve en bas exposait le contenu de cette boîte, si on peut dire, à l'environnement spatial à travers un filtre. Il fallait s'assurer que les deux valves n'étaient pas ouvertes en même temps. Parce que dans ce cas-là, on évacuait la cabine à travers les toilettes et on ne se faisait pas féliciter. Alors il fallait suivre des procédures à suivre. On s'assied, on s'attache et puis on suit la procédure. Mais on a eu un problème avec la valve supérieure. Et si vous avez un problème avec les toilettes dans un vaisseau spatial, ce n'est pas le commandant qui va réparer. Moi, j'étais ce qu'on appelait en anglais un rookie. Rookie, c'est un astronaute qui fait son premier vol. C'est évidemment le rookie qui va réparer les toilettes si elles tombent en panne. Ce que j'ai décidé de faire, alors j'ai utilisé des procédures qui s'appelaient in-flight maintenance. J'ai mis un masque, un petit peu comme un masque Covid, mais bien avant Covid. Et j'ai réparé les toilettes. Ce n'était pas très compliqué, mais je l'ai fait. Et puis, ce n'était pas une tâche d'une très grande noblesse, mais il fallait le faire. Et, en fait, la NASA, ils étaient assez contents. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils m'ont donné 3 autres missions dans la même décennie. Claude, fix the toilet, so we'll give him more mission, including the Hubble. Alors, à la fin de la mission, c'est la rentrée de l'atmosphère. Alors, on avait une manœuvre de désorbitation qui, à partir de l'orbite circulaire, nous mettait sur une orbite elliptique qui allait vers la descente, si on peut dire. À l'endroit où on faisait la manœuvre de désorbitation sous l'océan Indien, on était à l'apogée de notre nouvelle orbite elliptique qui avait son périgée à peu près à l'endroit où on voulait se poser, à Kennedy Space Center en Floride. Puis on est sur cette orbite elliptique qui va rentrer dans l'atmosphère. On prenait un angle d'attaque de 40 degrés pour freiner dans les hautes couches de l'atmosphère. Et puis la partie chaude de la rentrée, c'était dans les altitudes d'environ 80 km à 60 km. Et cette photo a été prise lors de ma deuxième mission dans l'espace. J'étais l'ingénieur de bord entre le commandant et le copilote. Et bien que c'était une rentrée de nuit où c'était initialement complètement noir à travers les fenêtres frontales du cockpit, c'est devenu rouge sombre, rouge vif, pratiquement blanc à cause de la très haute température lors de la partie chaude de la rentrée. Température d'à peu près 1000 degrés à l'extérieur. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est comme si on était dans un four, mais la température à l'intérieur de la cabine était parfaitement normale. Et ça se terminait par un atterrissage sur une piste de 5 km de long à Kennedy Space Center en Floride. Il y a un parachute de freinage pour réduire un peu la distance de roulage. Donc en fait, un engin extraordinaire, un engin spatial qui, à peu près une heure après l'impulsion de désorbitation, se posait sur une piste comme un avion, plutôt comme un planeur. Il n'y avait plus de propulseur au moment où on était dans les basses couches de l'atmosphère. Alors Hubble, là je vais passer assez vite, parce qu'encore une fois, ceux qui étaient là hier à ma présentation et puis au film qui a passé avant ont vu beaucoup d'images de Hubble, mais télescope dans l'espace, de façon à avoir des images de très haute résolution d'objets célestes, coopération entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Largage du télescope à 600 km d'altitude lors d'une mission en avril 1990. On voit le bras robotique qui vient de larguer le télescope. Vous voyez la cloison frontale de la soute avec les deux fenêtres que vous avez vues depuis l'intérieur. Donc l'équipage travaillait derrière ces fenêtres, le commandant ici, l'opérateur du bras de ce côté-là, comme vous l'avez vu avant. Alors, le télescope était largué, puis vous le savez très bien, il y avait un problème qui n'avait pas été détecté avant le départ, à savoir une forme pas tout à fait correcte du miroir principal du télescope. Et voilà l'équipage qui était sélectionné, c'était vers la fin de 1992, pour aller réparer Hubble. Donc 5 Américains, une Américaine et moi-même, avec pour mission d'aller effectuer cette première visite de Hubble en orbite, installer des correcteurs d'optique, changer les panneaux solaires et faire d'autres travaux sur le télescope. Entraînement en piscine, vous l'avez vu également précédemment. On s'entraîne dans cet environnement de façon à simuler les conditions d'impesanteur. Et on avait un modèle de très haute fidélité du télescope. On avait le bras robotique, vous voyez là, une plateforme au bout du bras robotique. Toujours 2 membres d'équipage qui faisaient ces sorties. On en voit un qui entre à l'intérieur du télescope après avoir ouvert ces grandes portes qui donnaient l'accès aux instruments scientifiques et aux gyroscopes même. Donc beaucoup d'entraînement en piscine. L'idée, c'est de s'entraîner de façon extrêmement précise et détaillée, et puis que ça devienne presque des automatismes, de façon quand on est dans l'espace, où c'est quand même intimidant et impressionnant. Avec tout l'entraînement qu'on a derrière, on fait les choses correctement. On s'est entraîné une année, et ça c'est le matin très tôt du 2 décembre 1993, quand on nous a amené à 1h30 du matin vers la rampe de lancement
dans un petit bus. Je me rappelle bien de cette impression que j'avais en ouvrant la porte du bus et en voyant notre vaisseau spatial, le nez pointé vers le haut. C'est émouvant. Et puis on a vraiment ce sentiment de responsabilité. Voilà, on part pour une mission, et puis la NASA nous avait fait comprendre clairement que failure was not an option, c'est-à-dire qu'il fallait réussir cette mission. Départ à 4h26 du matin, départ de nuit. 48 heures après le départ, on a retrouvé Hubble, mais pas par hasard, c'est clair, on a effectué des manœuvres qui avaient été très 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 entraînées en faisant des mesures au moyen des star trackers, des capteurs stellaires, qui pouvait repérer Hubble par rapport aux étoiles, et puis un radar de rendez-vous. Et pour finir, on était en vol en formation avec le télescope Hubble. Comme vous voyez ici, j'étais l'opérateur du bras, donc derrière cette fenêtre. Le commandant était juste à côté de moi, à ma gauche. Saisie du télescope et installation sur une plateforme dans la partie arrière de la soute de la navette, prêt pour des sorties extravéhiculaires qui allaient être effectuées les prochains jours. Alors voilà une des cinq, on en a fait cinq au tout. Voilà une très belle photo prise lors de la cinquième de ces sorties quand on a remplacé des panneaux solaires. On est sur l'Australie à 600 km d'altitude et une vue absolument stupéfiante par sa beauté. Mais il faut dire quand on travaille, que ce soit à l'intérieur du vaisseau spatial ou à l'extérieur pendant sortie extravéhiculaire et tout spécialement à l'extérieur, on ne regarde pas tellement le paysage parce qu'on a la responsabilité de faire le travail de façon très rigoureuse, très focalisée aussi. C'est vraiment un exercice de focalisation et d'attention soutenue. Alors, je montre cette image qui est extraite de « On a marché sur la Lune » pour vous dire que pour ceux et celles d'entre vous qui feront des sorties extravéhiculaires, ça c'est à éviter. Parce que là, Tintin et le capitaine Haddock comptent sur leur filin de sécurité, safety tether, filin de sécurité, pour revenir vers le vaisseau spatial. Mais il faut toujours, pendant une sortie extravéhiculaire, tenir la structure ou... dans la photo que j'ai montrée avant, on en avait un qui était sur une plateforme au bout du bras robotique opéré par l'opérateur du bras dans la cabine de la navette. Mais il ne faut jamais se laisser distancer et puis de compter sur le filin de sécurité pour pouvoir revenir. D'une part, on ne peut pas travailler lorsqu'on flotte dans l'espace comme ça. Et puis c'est dangereux parce que si on n'a pas bien attaché son filin, ben c'est ce qu'on appelait dans le langage à NASA « a bad day », ce n'était pas un bon jour. Parce que si on part sur sa propre orbite qui s'éloigne de l'orbite de la navette et du télescope, eh bien, c'est pas une bonne idée. Ça se termine mal, en fait, par définition. Alors, la mission a parfaitement réussi. Voilà l'équipage, après ses travaux de réparation sur Hubble, en fonction de ce qui avait été prévu et entraîné. Le télescope est toujours et encore attaché à nous, dans la soute, la navette. Mais c'était vraiment le grand bonheur, parce que cette mission, on estimait une probabilité de réussite pas beaucoup plus de 60 à 70%, et on a eu pratiquement 100% de réussite. Alors, vous avez certainement entendu Jerry Griffin, il a fait deux présentations, une hier et une aujourd'hui. Vous avez compris à quel point le directeur de vol, qui est le boss de la mission, c'est le chef de la mission, est important. Milt Heflin était le directeur de vol de cette première visite d'Hubble, qui était quand même une mission qui était très critique pour le programme de la NASA. Et puis j'ai mis ici toute la sagesse, le leadership et la compétence du flight director de Hubble Servicing Mission 1, Milt Heflin. Un immense respect pour Milt Heflin, qui nous suivait de très près pendant l'entraînement. Il connaissait parfaitement la mission, c'est lui qui était le chef dans la salle de contrôle. Alors, on a su seulement quelques semaines après si les corrections d'optique étaient satisfaisantes, et ça c'est Barbara Mikulski qui représentait la NASA auprès du Congrès américain, qui montre cette image de la galaxie Messier 100 avant la correction et après la correction. Elle a dit « The trouble with Hubble is over », donc le problème avec Hubble, le problème d'optique, il était derrière nous. Une immense satisfaction pour nous, l'équipage qui avait fait le travail quelques semaines avant, et puis aussi pour toute l'équipe qui avait contribué au succès de cette mission. Alors j'ai eu la très grande chance de retourner vers Hubble, toujours pour moi un immense bonheur d'aller vers Hubble, parce que j'avais été un astrophysicien travaillant en Gorno-Grat, étudiant l'évolution stellaire, et puis je suis devenu astronaute, et puis on me demande d'aller avec une équipe d'Américains pour faire des travaux de réparation sur Hubble. Et pour cette dernière mission, ce n'était pas seulement des Américains, mais il y avait Jean-François Clairvoyre. Donc c'était pour moi un grand privilège de voler avec Jean-François Clairvoyre vers cette, pour moi, deuxième visite de Hubble, mais c'était la troisième en tout, Servicing Mission 3A, en décembre 1999. Et là, je suis au bout du bras robotique,
en train d'insérer dans le télescope une nouvelle caméra de pointage. L'ancienne, qui ne fonctionnait plus, est sur le côté du fuselage avant d'être ramenée à terre. Alors voilà, une photo prise à la fin de cette sortie extravéhiculaire qui était très longue en fait. Je me rappelle avoir été vraiment très très fatigué à la fin, très déshydraté aussi. J'ai pris quelques photos avec une caméra Nikon juste avant de rentrer dans le SAS. Vous voyez les outils à ciel ouvert, c'est comme une caisse à outils à ciel ouvert avec chaque outil qui est également assuré avec un filin de sécurité. Parce que s'il n'y aura pas de filin de sécurité pour les astronautes ou des outils ou des instruments, bon, on les perd dans l'espace et ça on essaye d'éviter. Largué le télescope le jour de Noël, le 25 décembre 1999. Et puis on a pris cette photo à cette occasion, donc j'aimerais pointer Jean-François Clairvoy qui est là, et qui a occupé lors de cette mission le même rôle que j'avais eu lors de la première visite de Hubble 6 ans plus tôt, donc opérateur du bras robotique et ingénieur de bord. Énormément de respect pour Jean-François Clairvoy qui a fait un travail magnifique. Je montre rapidement quelques images prises par Hubble, mais encore une fois, ceux qui étaient présents lors du film qui a été projeté avant bien, ont vu encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'images. Une magnifique image d'une nébuleuse planétaire qui est une phase finale de la vie d'une étoile, une étoile mourante au milieu qui éjecte des quantités de gaz en fin de vie. Là, j'ai une toute petite vidéo qui a été publiée récemment sur les réseaux sociaux, il y a environ 15 jours, qui montre deux galaxies. C'est une petite vidéo, vous allez voir un travelling avec un petit peu de musique. Ça montre l'extraordinaire performance de Hubble d'une part, mais aussi le fait qu'il fonctionne toujours parfaitement bien, plus de 30 ans après son largage dans l'espace. C'est vraiment splendide. Enfin, tout ce que Hubble a apporté à la connaissance scientifique dans le monde de l'astronomie et au public est vraiment stupéfiant. Et ça continue. Là, une image profonde de Hubble, il y a plusieurs de ces deep fields, comme c'était mentionné au film précédent, c'était vraiment un choc, mais un choc extraordinairement positif. Lorsque, en 1995, deux ans après notre mission de service, on est le premier deep field. Ça, c'est un deep field plus tard. Alors, maintenant, j'aimerais vous montrer ce qu'on voit pendant la nuit orbitale. Donc, on est en orbite, on regarde à l'œil nu les étoiles. Ici, on a l'horizon terrestre. Ici, on a un effet de luminescence dans la très haute atmosphère à 100 km d'altitude environ. C'est ce qu'on appelle EGLO. Et vous allez voir les étoiles. C'est pris en accéléré. C'est un time-lapse. Regardez. Et vous voyez les lumières des villes, vous verrez les orages dans un petit instant. Donc c'est vraiment une combinaison de vues du ciel d'une part qui est magnifique, des villes, des orages et de cet effet lumineux dans la haute atmosphère. Ce n'est pas pris depuis la navette mais depuis la Station Spatiale Internationale. Vous allez voir les panneaux solaires qui vont se pointer bientôt, les panneaux de la station qui sont toujours orientés vers le soleil, lequel soleil est en dessous de l'horizon, mais on continue de suivre le soleil de façon que les panneaux aient la bonne orientation au lever du soleil. On commence à voir les panneaux solaires ici, mais regardez cette splendeur, hein. Cet immense privilège des vols en orbite autour de la Terre. Hein. Et surtout la partie de nuit, pour moi, était spécialement impressionnante, avec cette combinaison de la magnificence du ciel d'une part, et puis les lumières des villes, et des orages, et des phénomènes météorologiques visibles de nuit. Alors maintenant, vous allez voir un lever du soleil qui dure environ 20 secondes, ça c'est le début du lever du soleil, on commence à voir le soleil ici. Oui, ici. 5 secondes plus tard, 10 secondes plus tard, puis là c'est le jour. Donc on fait le transfert jour-nuit ou nuit-jour en 20 secondes seulement. Magnifique vue de la Terre pendant le jour orbital. Tout le massif de l'Himalaya avec en haut à droite les hauts plateaux du Tibet, puis dans la partie gauche c'est l'Inde avec le fleuve Brahmapoutre. Le Népal et l'Everest sont dans cette région-là. C'est assez émouvant de voir cette image parce qu'on sait ce qui se passe à cet endroit-là. Mais vous voyez aussi, c'est une vue de nuit, la mer Rouge, l'Égypte. Vous voyez
L'Égypte avec des lumières dans le delta du Nil, bien sûr, et puis la plaine de crue du Nil, c'est là où les Égyptiens habitent. Et là, vous avez de la lumière, vous avez de la vie. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de lumière. Juste un petit message qui est un message personnel. On peut dire la recette du succès, ce n'est pas quelque chose d'officiel de la NASA ou de l'ESA, mais c'est mon opinion personnelle sur la recette du succès avec une image de Neil Armstrong, astronaute formidablement respecté. Fixer des objectifs clairs et bien définir les priorités, travailler en équipe à tous les niveaux dans un pur esprit de respect et de confiance, c'était deux caractéristiques dans les relations humaines qui étaient toujours à très très haut niveau dans les vols spatiaux habités, rester humble. Préparer la mission de manière détaillée et toujours prêt à faire face à l'adversité, on planifie, on entraîne la mission nominale, mais on entraîne également toutes sortes de procédures qui permettent de contourner des problèmes qu'on pourrait avoir et qu'on a toujours. Toujours maintenir une discipline opérationnelle très stricte, utiliser des procédures et checklists comme dans le monde de l'aviation, puis entraînement, ne jamais s'arrêter. Brièvement, la Station Spatiale Internationale, que je n'ai pas visitée moi-même, mais qui est l'objectif de la plupart des vols spatiaux habités dans le monde occidental, plus la Russie. Donc on a les 15 pays qui participent à ce projet, toujours et encore à ce programme, États-Unis, Russie, Canada, Japon et 11 pays membres de l'Agence spatiale européenne. Et on voit ici une partie de la station avec le laboratoire européen, le laboratoire américain. Il y a un nœud de jonction du laboratoire européen Columbus, laboratoire japonais Kibo. Vous avez ici le Crew Dragon pour amener des membres d'équipage depuis le sol américain vers la station. Le segment russe est dans la partie en dessous de l'image ici. Alors on peut s'imaginer que dans la station c'est comme ça, c'était extrait de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais en fait c'est plutôt comme ça. Parce que c'est un laboratoire, on fait du travail scientifique, surtout en utilisant les propriétés de microgravité ou de quasi-absence de gravité. Vous avez deux astronautes femmes américaines ici, vous avez un Canadien derrière, des ordinateurs, des câbles. Les gens font du travail scientifique véritablement, ils consacrent 2 heures par jour, quand je dis jour, c'est une période de 24 heures sur le plan de vol, à faire des exercices physiques pour maintenir la forme musculaire et osseuse, mais c'est essentiellement du travail scientifique qui est fait là. Alors il y a des nouveaux venus dans le domaine spatial aux USA, c'est des compagnies privées, tout spécialement SpaceX. Et SpaceX, sur demande de la NASA, et c'était payé par la NASA, a conçu une nouvelle fusée qui s'appelle Falcon 9, dont le premier étage est réutilisé à chaque vol. Après le départ, 2 à 3 minutes après le lift-off, le premier étage se sépare du deuxième et revient à se poser sur une plateforme de l'océan Atlantique et est réutilisé lors de plusieurs vols. Donc c'est une magnifique performance de la compagnie SpaceX. Vous voyez ici la descente sur ce bateau de l'océan Atlantique du premier étage de Falcon 9, typiquement 3 à 4 minutes après le départ. Donc très très belle performance qui a permis d'abaisser sensiblement le coût de l'accès à l'orbite. Chaque kilogramme amené en orbite coûte à peu près 3 fois moins cher maintenant, le coût opérationnel, que ce qui était le cas avec la navette ou avec des fusées non réutilisables. Alors vous avez ici l'intérieur du Crew Dragon développé par SpaceX. Le SpaceX a développé la fusée Falcon 9, et puis une capsule pour le fret qui s'appelle Dragon, et pour les membres d'équipage qui s'appelle le Crew Dragon. Vous avez l'intérieur du Crew Dragon, vous voyez la différence avec la navette spatiale, il n'y a plus d'interrupteurs, il y a des écrans tactiles, et vous pilotez, si vous voulez piloter en manuel, vous pilotez le Crew Dragon comme vous faites des jeux sur votre iPhone. Donc ça, c'est une technologie qui est extrêmement fiable et puis qui abaisse sensiblement aussi le coût de l'entraînement, parce que c'est finalement plus simple de piloter le Crew Dragon que la navette spatiale, par exemple. Là, vous avez par exemple l'approche finale du Crew Dragon de la station spatiale. La station est ici, à l'intersection des axes. Ça, c'est la trajectoire relative du Crew Dragon par rapport à la station. Quand elle arrive, elle est là maintenant. Quand elle arrive là, il y aura une trajectoire rectiligne dans la direction opposée au vecteur vitesse de la station qui va l'amener vers l'interface d'arrimage dans la partie frontale de la station. Puis vous voyez les membres d'équipage, ils ne font pas grand-chose en fait, ils sont les mains comme ça, ils observent. S'ils veulent intervenir manuel, ils peuvent le faire, mais en principe c'est entièrement automatique. Alors rapidement, j'ai très peu de temps qui me reste, mais j'aimerais parler du programme lunaire qui a été décidé par les Américains, le programme Artemis. Ils ont invité l'Europe, le Canada, le Japon à participer, pas la Russie. Et puis d'autres pays sont en train de se joindre, il y a les Émirats par exemple qui veulent joindre le programme Artemis.
Pour retourner à la Lune, il faut de nouveau une grande fusée, un petit peu du style de Saturn V. Vous avez ici le Space Launch System, qui est la grande fusée du programme Artemis, qui a été testée pour la première fois en novembre dernier, donc c'était il y a une année. Unmanned, c'est-à-dire sans personne à bord. Vous avez la capsule Orion au sommet, mais il n'y avait personne à bord. C'était pour tester la fusée et la capsule elle-même. Très belle photo prise lors de cette première mission de novembre dernier. Vous avez la capsule Orion là, la Lune à l'avant-plan, et ça, c'est la Terre, à peu près à 400 000 km de distance. Là, vous avez essentiellement une partie de la Lune qui est sur la face cachée de la Lune. Magnifique image, disons, c'est nous, cet esprit de l'exploration lointaine qui sort de cette image. L'idée est d'avoir la mission Artemis 2 qui sera l'année prochaine en faisant le tour de la Lune et revenir, mais sans s'y poser, un petit peu comme Apollo 8, à fin de l'année 68, et puis se poser sur la Lune, au pôle sud de la Lune, en 26 ou en 27 peut-être. Mais l'idée, c'est d'exploiter le pôle sud de la Lune. Alors, ensuite, construire une base lunaire au pôle sud de la Lune. Vous avez vu cet emplacement avec la Terre qui sera très bas sur l'horizon, le Soleil également. Mais la possibilité d'avoir beaucoup plus de Soleil si on est au pôle sud que si on est dans une région de latitude moyenne où on a 2 semaines de jour et ensuite 2 semaines de nuit. Et pendant la nuit lunaire, il fait extrêmement froid. Donc on veut éviter ces très très basses températures avec les longues nuits. Puis entre-temps, vous avez Elon Musk qui a toujours ses fantaisies de transformer l'humanité dans une espèce qui va se répartir dans tout le système solaire, becoming a multi-planet species, et puis il développe une nouvelle fusée qu'il appelle Starship, on voit un exemplaire ici, pour ce faire. Et là, vous avez un test du deuxième étage de la fusée Starship, et encore une fois, c'est un programme autonome de SpaceX, de Elon Musk, c'est pas lié au désir de la NASA. Là, vous avez un test de ce premier étage, deuxième étage de la fusée Starship qui revient vers le sol, qui va faire une manœuvre pour qu'elle puisse se poser sur la partie arrière. Donc, c'est toujours cette idée de la récupération de l'équipement spatial qui est une très, très bonne idée. SpaceX le fait avec beaucoup de talent et de grâce. C'est des moteurs à méthane. C'est méthane et oxygène liquide. C'est pas du kérosène comme le Falcon 9, mais du méthane, CH4. Et ça marche. Et techniquement, sur le plan opérationnel, c'est pas facile du tout, mais ça marche. Ça n'a pas toujours marché. Les premiers essais, ça s'est terminé par la boule de feu, mais maintenant, ça c'est le premier test qui a marché en 2021 à peu près. Entre-temps, il a testé la fusée totale Starship, avec 33 moteurs à méthane dans le premier étage, c'est le deuxième étage dont vous avez vu la récupération sur l'image précédente. C'était en avril de cette année, ça s'est bien passé jusqu'à la séparation des deux étages où il y a eu perte de contrôle, ils ont dû détruire par télécommande la fusée. Le prochain test du Starship devrait être dans quelques semaines ou peut-être au début de l'année prochaine. Ça c'est le nouveau projet autonome de SpaceX, c'est pas un projet lié à aux intentions de la NASA. Alors, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que on a la possibilité technique d'ici quelques décennies d'aller n'importe où dans le système solaire avec des engins habités. Vous avez par exemple quelques membres d'équipage qui sont sur Mercure. Je ne recommanderais pas Mercure parce qu'il fait très très chaud sur Mercure, c'est clair. Donc ça c'est un dessin d'artiste bien sûr, un très beau dessin d'artiste d'ailleurs, par Chesley Bonestell qui est un dessinateur spatial britannique avec beaucoup de talent. Et là, vous avez une représentation de quelques membres d'équipage sont soit sur Enceladus ou sur Titan, donc au voisinage de Saturne. Des missions de ce type seront techniquement possibles. Ce sera seulement une question de choix si on veut le faire ou pas. Parce qu'il est évident qu'on a une responsabilité majeure relative à la santé de la planète Terre. Les agences spatiales comme la NASA et l'ESA sont parfaitement conscientes de ça. On ne va pas aller vers Mars ou vers Titan parce qu'on veut laisser la planète Terre derrière nous qui est en mauvais état. On s'occupe de la planète Terre, mais en plus, on veut poursuivre l'exploration spatiale qui est une énorme source d'inspiration puis qui nous aide également à trouver des solutions pour assurer le futur de la planète Terre et la capacité de continuer de vivre pendant des siècles ou au-delà à la surface de la planète Terre. Alors je termine avec cette image assez inspirante, vous voyez là. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on. Ça fait envie quand même.
In other words, hold my hand. Merci pour votre attention.